Que Dieu vous bénisse, bienvenue sur Merveille sans nom, mon heure a sonné. Je suis excité, je remercie Dieu pour votre vie. Il n'y a rien, aucun prix ne peut être payé pour la vie. Donc la vie est un don et donc remerciez toujours Dieu pour le don de la vie. Apprenez toujours à le remercier pour le don de vie. Dites-lui toujours, Seigneur, merci de m'avoir donné vie, merci de m'avoir gardé en vie, merci de me préserver, merci de m'avoir donné le souffle, merci de m'avoir donné la bonne santé. Merci, Seigneur, pour la vie, car nous sommes reconnaissants, Seigneur. You are glorious, so glorious in your ways. Yahweh. Yahweh, you are glorious, so glorious in Yahweh, 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 you are glorious. Merveille sans nombre est une plateforme de prière où les gens sont entraînés et formés à l'acte de la prière et deviennent amoureux de la parole de Dieu. Nous prions selon les écritures bibliques et nous devenons moulés à l'image de Dieu. Eh bien, les témoignages viennent de partout dans le monde, des gens qui deviennent de plus en plus intimes avec Dieu et dont leur passion grandit de plus en plus pour les choses de Dieu. Et je crois que vous serez le prochain pour avoir ces mêmes témoignages. Amen. Alors, si vous nous suivez maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, likez et partagez au maximum. Commencez à partager. Partagez autant que vous pouvez et le Seigneur vous bénira selon votre obéissance. Et également, suivez-nous d'accord sur la chaîne. Radio Celebration TV sur Mixer. Et également, eh bien, invitez vos amis et dites-leur que Merveille sans nombre a commencé. Invitez-leur qu'ils nous rejoignent maintenant pour prier avec nous. Car tant qu'il y a un homme pour prier, il y a toujours un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Quand il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Quand il y a un homme pour prier,
Il y a un Dieu pour exaucer. Quand il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Quand il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier. Il y a un Dieu pour exaucer. Tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Et n'oubliez pas le thème du mois, c'est la lumière jaillit dans les ténèbres. La lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprennent point. La lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprennent point. La lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprennent point. La lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprennent point. La lumière jaillit dans les ténèbres et les ténèbres ne la comprennent point. Et je crois que quelque chose de grand se passera dans notre vie aujourd'hui quand nous allons prier. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Eh bien, l'une des choses que le diable a semées dans le cœur des chrétiens, c'est l'esprit de l'orgueil. Et parfois, l'orgueil se présente comme une fausse humilité. La Bible dit dans Proverbe 29, 23, et la Bible parlait là d'accord du danger de l'orgueil. Il dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse. Et Job 22, 29, il a dit, que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Mais Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Donc Dieu a dit qu'il va secourir celui dont le regard est abattu. Donc quelqu'un qui est vraiment humilié, bien que Dieu va le sauver. Dans Jacques 4, 6, il a dit, la Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que si un homme est orgueilleux, son premier ennemi sera Dieu. Vous savez que l'orgueil a ruiné beaucoup de grands destins. Et l'orgueil aujourd'hui, d'accord, en fait, est en train de ronger le corps du Christ. Quand Dieu donne les instructions parfois, eh bien, nous sommes lents à obéir. Ça, c'est l'orgueil. Il est difficile pour nous de recevoir les conseils, de recevoir les réprimandes. Ça, c'est l'orgueil. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 15, 10, qu'une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Mais celui qui hait la réprimande mourra. Donc vous voyez combien l'orgueil est terrible. Alors on va prier aujourd'hui, on va dire, Seigneur, dans ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. Dans ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. Il y a beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup, d'accord, dans tous les niveaux de la classe sociale qui se disent spirituels. Eh bien, il y a beaucoup qui sont orgueilleux. Vous voyez l'orgueil qui se déploie partout. Même ceux qui disent qu'ils prient beaucoup sont orgueilleux. Eh bien, quand tu es trop concentré, d'accord, sur les affaires des autres, eh bien, ça, c'est l'orgueil. Quand la vie de l'autre t'intéresse beaucoup, ça, c'est l'orgueil. Il est dit dans 1 Samuel 13, 17, il a dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, Samuel disait cela à Saül, dans 1 Samuel 15, 17, quand tu étais petit à tes yeux. » Il y a des gens qui se voient très, très grands à leurs propres yeux. Mais Dieu parlait à Saül, d'accord, à travers Samuel, dans 1 Samuel 15, 17, « Lorsque tu étais petit à tes yeux. » Donc, Dieu a dit que je t'ai conduit. Donc, Dieu veut que tu te vois petit, pas à ses yeux. Lui peut te voir très grand, mais il faut que toi, tu te vois petit à tes yeux. Seigneur, dans ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. 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 L'orgueil a détruit beaucoup de personnes.
Through Isaiah chapter 14, you saw when the devil was speaking, Satan avait l'habitude de dire dans Isaïe 14, moi. Et Dieu l'a ramené, d'accord, en disant, toi, cinq fois. Et donc, beaucoup de gens, d'accord, ne pensent qu'à ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc, alors que Dieu veut que nous nous voyions petits à nos yeux, comme il est dit dans 1 Samuel 15, 17, eh bien, lorsque tu étais petit à tes yeux, 1 Samuel 15, 17, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Donc, Saül, je t'ai pris, je t'ai choisi, je t'ai oint alors que tu te voyais petit à tes yeux. En fait, quand Saül a été oint, il a fui, il est allé se cacher derrière les montagnes. Mais après, eh bien, il s'est vu beaucoup trop qualifié, alors qu'au départ, il ne se voyait pas du tout qualifié. Et après, eh bien, il a commencé à déployer, à sortir l'orgueil en lui. Donc, Seigneur, dans ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. Dans ma vie, Seigneur, je rejette l'esprit de l'orgueil. Répétez, Seigneur, dans ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans tous les aspects de ma vie, je rejette l'esprit de l'orgueil. Et je rejette l'esprit de l'orgueil pour mon enfant. Je rejette l'esprit de l'orgueil pour mes intérêts. Je rejette l'esprit de l'orgueil pour mon mari. Je rejette l'esprit de l'orgueil pour ma femme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Da 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 da
Dans le nom de Jésus-Christ, et je m'accorde avec votre foi que l'orgueil ne va pas vous détruire. L'orgueil ne vous ruinera pas. Recevez la grâce pour marcher dans l'humilité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu pour sa miséricorde envers ma vie et ma famille. Dieu m'a guéri de maux d'estomac et est également intervenu dans l'entreprise de ma mère après avoir envoyé une demande de prière. Merci Jésus-Christ. Je déclare que toute douleur dans votre corps, votre estomac, votre système, vos tissus, vos os, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, papa. Je tiens à remercier Dieu pour sa miséricorde et pour avoir exaucé mes prières que j'ai envoyées sur cet hôtel de prière. J'étais tellement bloqué et fauché à cause du non-paiement de mes salaires pendant des mois. J'ai immédiatement envoyé mes demandes de prière et mon offrande, et j'ai reçu une aide financière instantanée de l'étranger et mes salaires ont été également payés. Edna de Port-à-Court. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez un témoignage financier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Le 22 septembre 2024, mon jeune frère est tombé du haut d'un immeuble de 2 étages et a perdu connaissance. J'ai prié le Dieu de merveille sans nombre d'intervenir. Je l'ai amené à l'hôpital pour une radio et le médecin a dit que sa tête était bien. Il a juste été soigné pour les douleurs. Merci Jésus. Jésus Zénab de Freetown, Sierra Leone. Je déclare la préservation divine pour votre maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, depuis que j'ai rejoint mes veilles sans nombre en avril 2024, j'ai reçu plusieurs bénédictions. J'ai maintenant ma propre maison et mon conteneur qui a été saisi a été libéré. Deuxièmement, je peux prier plus qu'avant. Merci Jésus. Lola de la Géorgie. Je déclare que les témoignages ne vont pas cesser dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 13, 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » On va prier, on dit, « Seigneur, je reçois la grâce pour marcher avec les sages. » Seigneur, je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Répétez, je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Je reçois la grâce pour marcher avec les sages. Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce de marcher avec les sages.
Run, 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 run
Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Recevez la grâce pour marcher avec les sages. Recevez la grâce pour marcher avec les sages. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Et Dieu commence à vous donner des relations qui vous profitent. Et toute relation qui n'est pas profitable pour vous et qui ne s'aligne pas au plan de Dieu pour votre vie et qui ne vous encourage pas à l'intimité avec Dieu, que le Seigneur éloigne ce genre de relation de vous, qu'il éloigne ce genre de relation de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu pour l'augmentation de mon salaire. Merci Jésus, Stanley de l'état de Imo. Au nom de Jésus, recevez la croissance partout. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu de m'avoir délivré d'une attaque. J'ai ressenti une tension inhabituelle sur ma jambe gauche et c'était si douloureux que je ne pouvais pas me tenir debout. J'ai appliqué l'huile bénie par papa et la douleur s'est immédiatement arrêtée. Merci Jésus. Je déclare que toute douleur dans votre corps s'arrête. Au nom de Jésus. Amen. God's grace and mercy. Bonjour papa, ma famille et moi avons bénéficié de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Je suis diacre dans mon église et j'ai deux enfants atteints d'anémie falciforme. Lors de Merveilles sans nombre, le 11 juin 2024, vous avez donné, entre autres, deux prophéties spécifiques me concernant. La première était qu'un diaconesse avait des problèmes avec son fils et est considéré comme le mouton noir de la famille. Dieu a un plan pour lui. Et la seconde prophétie était qu'un homme avec deux enfants dont le génotype était SS, mais Dieu le change en AA. Merci Jésus, Roland de Yaoundé au Cameroun. Je vois un diacre. Vous êtes diacre, vous avez un problème avec votre fils. Il y a tellement de problèmes qui vous inquiètent tellement, mais le Seigneur me dit de te dire
que Dieu a un plan pour la vie de cet enfant, que ce que vous appelez le chien noir, le mouton noir de la famille sera bien le salut de cette famille. Et je vois un autre homme qui a deux enfants qui sont SS, mais Dieu est en train de changer leur génotype à AA. Dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. The Bible says in verse 19 of Proverbs 13, the desire accomplished. La Bible dit dans Proverbe 13, verset 19, un désir accompli est doux à l'âme. Seigneur, que mes désirs soient accomplis. Seigneur, que mes désirs soient accomplis. Seigneur, que mes désirs soient accomplis. Let my desires Seigneur, que mes désirs soient accomplis. Let my desires be accomplished. Lord, let my Seigneur, desires que mes désirs soient accomplis. Say, Lord, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, Seigneur, Seigneur, Lord, Seigneur, Lord, que mes désirs soient accomplis. Que mes désirs soient accomplis. Ouvre votre bouche et priez dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mes désirs soient accomplis. Yeah.
Dans le nom de Jésus-Christ, que vos désirs s'accomplissent. Que vos désirs s'accomplissent. Recevez la grâce pour marcher avec les sages. Recevez la grâce pour marcher avec les sages. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare les pensées de Dieu pour votre vie. Et je déclare les paroles de Dieu. Je déclare l'aide de Dieu. Je déclare la sagesse de Dieu. Et que votre lumière brillera. J'entends un nom de Ojong. Dieu est en train d'annuler vos dettes. Et il apporte un relèvement financier. Je vois quelqu'un du nom de Uju. Uju Vincent. Je vois que vous êtes en train de monter des escaliers. Dieu est en train de vous élever. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une dame. Les médecins ont dit qu'il fallait nettoyer votre système. Qu'il fallait laver votre système à cause des choses qu'ils ont trouvées. Mais maintenant, je vous dis, retournez à l'hôpital. Ce qu'ils avaient trouvé dans votre système, ils ne vont plus le retrouver. In the name of Jesus. Amen. Car c'est parti au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare les bénédictions du Saint-Esprit. Je déclare les bénédictions du Saint-Esprit sur vous. Amen. Je vois quelqu'un qui a l'habitude de se voir dans les rivières où vous jouez. Mais je brise l'emprise des forces marines maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Libère-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libres au nom de Jésus. Amen. Je vois un monsieur, vous avez une boutique. Vous vendez les chaussures. Il y a un appel de Dieu sur votre vie pour prêcher, mais vous fuyez l'appel. Parce que votre père est un pasteur et parce que votre père a souffert beaucoup, eh bien, vous avez peur d'accepter votre appel. Maintenant, je vais vous dire en fait que Dieu n'appelle pas les gens pour devenir riches, mais Dieu appelle les gens pour aller toucher les vies. Donc, ne regardez plus les situations de votre vie. Focalisez-vous sur l'appel de Dieu sur votre vie et acceptez cet appel. Parce que si vous ne savez pas faire, eh bien, les choses vont aller de pire en pire dans votre vie tant que vous n'aurez pas accepté l'appel de Dieu sur votre vie. Donc, moi, je vous dis, je vous conseille maintenant, commencez à sortir, commencez à toucher les vies et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Vous êtes
êtes malade, posez la main gauche là où vous avez mal et tendez la main droite vers moi. Je déclare, soyez guéri maintenant. Soyez guéri maintenant, complètement rendu parfait. Soyez délivré et que la main de Dieu vous touche. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est le moment des offrandes maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Préparez vos offrandes, chers téléspectateurs. Jesus. If you live in America, take advantage and give your offerings. Alors, les résidents de l'Amérique et les pays environs, les résidents du Royaume-Uni et les pays environnants, vous êtes au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Sierra Leone, en Ouganda, en Zambie, au Kenya, etc., en Afrique du Sud, eh bien, préparez vos offrandes et envoyez-les sur les différentes informations affichées à l'écran selon d'où vous nous suivez. Prenez note fidèlement, d'accord, des instructions et suivez les instructions à la lettre afin de réussir vos transactions et que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous au passage que les dons, eh bien, c'est un acte d'adoration à l'Éternel et c'est un acte de démonstration de notre amour envers le Seigneur. Amen. Zambia, let's give to the Lord. God bless you. God bless you as we give our offerings. Sierra Leone, God bless you. Uganda, the Lord bless you. Ghana, the Lord bless you. Kenya, the Lord bless you as you give your offerings. Cameroon, let's give our offering.
Father, bless everyone giving today. Grant their Père, bénis tous ceux qui ont donné leurs offrandes et accorde-leur les désirs de leur cœur au nom de Jésus-Christ. Bonjour, Papa. Je tiens à remercier Dieu pour ses provisions financières. J'ai envoyé une demande de prière sur cette plateforme demandant à ce que Dieu me donne des fonds pour mon habilitation scolaire. Gloire à Dieu, j'ai reçu mes frais de scolarité en double. Dieu a également fait en sorte que mon habilitation soit une réussite. Jeanne Dougueli de l'État du Monde. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu rende parfait tout ce qui concerne vos études. Amen. Bonjour, Papa, je veux rendre gloire à Dieu. Mes deux sœurs ont reçu de l'argent miracle. Ils ont reçu respectivement 200 $ et 500 dirhams avec lesquels nous avons pu réapprovisionner notre garde à manger car nous n'avions pas de provisions. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, recevez l'argent miracle. Amen. Bonjour, Papa. Je suis ici pour rendre gloire à Dieu pour sa fidélité envers moi et tout ce qui me concerne. Je tiens spécialement à le remercier pour l'augmentation de mon salaire. Merci, Jésus. Uche Chinanza, Cynthia de Enugu. Dans le nom de Jésus-Christ, vos témoignages sont permanents. Amen. Père, reçois toute la gloire pour ces témoignages au nom de Jésus-Christ. Présentez vos requêtes personnelles à l'Éternel maintenant. Your prayers are answered in Jesus' name. Amen. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus. Recevez l'argent miracle, une augmentation du salaire, recevez vos passeports, votre citoyenneté, vos permis de résidence permanente, vos cartes vertes et vos permis de travail dans le nom de Jésus-Christ. Prenez note fidèlement des informations affichées à l'écran. Appelez les lignes gratuites de Merveille sans nombre. Une équipe s'occupera de vous et l'on s'occupera de vous et l'on priera avec vous au besoin et le Seigneur fera des merveilles dans votre vie. Alléluia. Envoyez-nous également d'accord vos requêtes de prière et vos témoignages sur les mails disposés à cet effet. Alléluia. Envoyez vos témoignages, envoyez vos requêtes de prière. Et si vous nous suivez, d'accord, vous êtes abonné sur la chaîne YouTube, et bien activez la cloche de notification et vous verrez les miracles de Dieu à travers ces chaînes. Je vous retrouve le lundi. Si vous avez raté l'une des prières au cours de la semaine, et bien parcourez et reprenez-les tranquillement. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que quelqu'un dise mon heure a sonné. Life! Peace.